Bon Dieu béni nous, nous comptons pour nous saluer dans les salles dans le moment ça. Nous avons quelques jours, nous pas monter sous panel là par rapport santé nous pas permettre. Nous avons une grippe et nous connaissons dans le moment et nous avons venu au pays, température a pas même gens. Température a tropicale, chaque moment température a changé comme ça. Et bien, il change immédiatement dans le corps nous, la santé nous. Mais nous pas bio, nous passer pour nous faire connaître, nous pas bio. N'a continué ensemble avec étude nous qui c'est les ressources des chrétiens côté nous a étudié livre les genèse pour nous étudier science dans livre là et pour nous étudier quelques points qui ont été livre là comme nous m'ont été dit nous déjà nous gain pour nous dans l'alliance là nous l'alliance de la genèse nous gain pour nous petit a petit b et comme nous connaissons santé à pas permettre et nous gain groupe là et bien n'a pas beau seulement jodi a petit a petit a la genèse et l'alliance des savants chrétiens enseignent parfois de concilier les affirmations de la genèse et les données de la science estimant que la parole de Dieu ne peut pas être en contradiction avec les découvertes de la géologie de la paléontologie ou de la fait histoire. Mais c'est à fois partie d'une cause conception de la parole de Dieu et de son infaillibilité est donnée au hypothème scientifique une certitude qu'elles sont loin de détenir. On peut dire en gros qu'avec la deuxième partie de la Genèse commence l'histoire proprement dite au peuple de la Révélation. Les recherches archéologiques ont mis à jour des documents contemporains de l'époque d'Abraham. Pour contre, la première partie de la Genèse traite d'événements dépassant la science historique, actuellement encore que des phénomènes comme les déluges puissent être attentés par des époques sédimentaires que les fouilles mettent à jour et que des tours comme celle de Babel aient été retrouvées à Babylone à Olié. Ces événements qui s'étudiaient en dehors de la période dont la disposé des documents nous sont rapportés dans un langage que plusieurs estiments n'est pas être nécessairement celui de la science physique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nous devons cependant reconnaître que nos jours n'est pas normatif pour nous révéler la parole de Dieu. Elle n'exprime pas non plus choisi pour nous révéler sa vérité qui reste la même que Jean exprimera plus tard dans sa célèbre déclaration. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique selon Jean 3, verset 16. Il ne faut donc pas lui d'un œil distrait l'est écrit des origines sous prétexte que les nations scientifiques d'autrefois sont dépassées car tout ce que Dieu nous révèle dans la parole est vrai et digne de notre entière confiance. Les 11 premiers chapitres de la Genèse donnent une portée universelle à des événements particuliers. Comme tel, il présente le caractère de la vérité fondamentale, essentiellement la notre compréhension de la condition humaine et du monde. Mais le langage de la révélation reste échangé lorsqu'il nous parle du Dieu créateur et de Dieu de l'évangile, de la destinée de l'homme, de sa perdition et de son salut.
C'est Jésus-Christ lui-même qui les sanctionne. C'est Jésus-Christ lui-même qui les sanctionne. Personne pas ka bay moun sanctionne. Dans la Bible, là, c'est Jésus-Christ seulement qui sanctionne yon moun. Les récits de la création ont une valeur permanente dans ces pages sont établis et dévoilés des fondamentalement. Même des choses et des êtres, l'ordre voulu par le Créateur qui ne peut être en frère sans péril et la solidarité universelle qu'il doute d'une commune origine, celui qui les nuit d'abrider les prisons. Ou les passer sous silence, se prive par la même d'une partie de la vérité, avancer cela ne tente pas à brider les ordres de la science, mais seulement à rendre clair qu'elle doit s'incliner devant ce qui est l'ordre de la porte. Les causes originelles, les actes créateurs surnaturels de Dieu, l'ordre de la hiérarchie de tout ce qu'elle s'applique à inventorier, classer et expliquer si c'est terre, nous ne connaissons que parfaitement et dévoyant que confusement, nous avons besoin de la révélation divine. Le but des récits de la création est avant tout de nous présenter et de nous amener à croire au Dieu créateur de tout ce qui existe manifesté en Jésus-Christ. Du même coup, il a aussi pour but de nous rendre compte de notre condition de créateur privilégié, de chute et sauvé. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. N'ap jwenn nan l'autre vidéo encore. Nous mande ou même qui peut faire ça. Ou même qui peut abonner, qui peut like. Ou capable faire ça pour nous. Ou capable rendre nous service là. Bon Dieu, pas suspend béni. Bon Dieu, a toujours continuer béni. Il a toujours bon moyen pour capable jouer, pour mettre mégabyte. Et bien, pour capable. Joine pour capable joine mégabyte pour toujours fonctionner ou pas manquer minute et ou pas manquer mégabyte ou même qui fin tande vidéo a qui fin suivre étude là et bien partager avec vos amis n'a joine dans l'autre prochaine vidéo n'a gain pour nous continuer avec petit ba pour vous à la prochaine.